Parce qu'il n'y a pas d'alternative au statu quo constitutionnel qu'on connaît et qui nous est préjudiciable à tant d'égards. Toutes les tentatives de fédéralisme asymétrique ont été, sont et seront toujours rejetées par l'Europe et le reste du Canada parce que ces gens-là ne croient pas que les Québécois assez courageux pour s'assumer collectivement. Alors, ça ne les dispose pas au compromis et c'est à nous de prouver le contraire et de nous assumer.